jeunes sont là. S'ils sont là, ils peuvent acclamer pour le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Vous savez, il y a la catégorie des personnes qu'il est difficile de pouvoir prêcher. On a besoin vraiment du Saint-Esprit. Surtout lorsque vous êtes en train de prêcher aux gens qui se sont réveillés mais n'ont pas voulu se réveiller. Et là, vous vous retrouvez très tôt le matin dans un culte. Ça devient compliqué. Il y a ceux-là aussi, c'est difficile de leur prêcher les après-midi. Ils sont déjà presque fatigués. Et par exemple, s'ils ont pris aussi du foufou, c'est qu'ils sont enclins à pouvoir dormir. C'est difficile aussi de les prêcher. Il y a aussi une autre catégorie, surtout la nuit, lorsqu'ils ont sommeil. C'est difficile à prêcher. Là, tu vas voir les gens en train de dormir, en train de fermer les yeux. Quand vous les poussez un peu, ils vous disent que je suis en train d'intercéder. Est-ce que c'est vraiment le moment? Difficile de prêcher. Je ne sais pas si vous êtes de quelle catégorie. Peut-être parce qu'il est midi, mais la plupart d'entre vous n'ont pas pris du foufou. C'est que nous avons l'assurance que vous serez concentrés. Et c'est pour cette raison que je t'invite de dire à celui qui est à côté de toi, sois vraiment concentré. Celle qui est à côté de toi, sois vraiment concentré. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est très bon. Qu'il me soit permis de lui rendre grâce pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de prêcher aujourd'hui au culte de la jeunesse. Je dis merci au Seigneur parce qu'il a quelque chose qu'il veut nous communiquer pendant ces quelques temps. Pas que nous n'avons pas des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse nous donner l'essentiel à pouvoir communiquer à cette jeunesse qui est assoiffée, de pouvoir écouter ce que le Seigneur voudrait lui communiquer. Je suis en train de dire merci à la jeunesse, le frère Emery, merci pour le ministère et à ce que le Seigneur a placé en toi. Je ne t'ai jamais félicité pour avoir été élu président de la jeunesse. J'ai saisi aussi l'opportunité. Mais ne me demande pas un cadeau. Déjà, cette prédication, c'est le cadeau que je peux faire pour toi. Amen, amen. Et tous les comités, je sais que ce n'est pas facile d'encadrer les jeunes. On a besoin de la grâce de Dieu pour mieux encadrer la jeunesse. Que le Seigneur bénisse ces comités de la jeunesse et que vous puissiez faire des exploits avec le Seigneur. Il me soit permis de dire merci à tous les pasteurs. J'ai vu tous étaient là. C'est une grâce d'avoir nos pasteurs avec nous. Parce que généralement, lorsqu'on est dans la jeunesse, on a toujours tendance à dire, ces jeunes-là. Mais lorsque nous pouvons voir les pasteurs avec la jeunesse, ça dénote un peu l'intérêt que notre Église manifeste pour encadrer les jeunes, afin que, non seulement parce qu'ils sont forts, mais qu'ils soient encore forts davantage et qu'ils puissent influencer cette génération. Merci beaucoup, cher pasteur, pour votre présence. Merci tous les anciens. Merci d'être avec vous aussi, au-delà de la Sainte-Seine, mais surtout pour ces temps de pouvoir accompagner les jeunes. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin d'avoir des gens qui peuvent les encadrer pour qu'ils soient des véritables Timothées pour ceux-là qui les encadrent. Donc votre présence aussi est vraiment à féliciter. Amen, amen. Alors, pour le message d'aujourd'hui, le thème pendant ces quelques minutes, c'est jeunes chrétiens, ambassadeurs du Christ, jeunes chrétiens, ambassadeurs du Christ, fais tout pour la gloire du Seigneur. Jeunes chrétiens, ambassadeurs du Christ, fais tout pour la gloire du Seigneur. Alors, si vous êtes en train d'écrire, c'est toujours bon. Ce qui s'écrit reste le plus longtemps possible, sauf pour nos cartes de lecteur qui avaient quelques petits problèmes. Alors, donc, voilà un peu, mais au moins, vous allez écrire et ça va rester. Alors, nous allons lire juste deux textes et après cette lecture, on va développer ce que le Seigneur a placé dans notre esprit. 1 Corinthiens 10, 31. Nous allons lire ça au nom de notre Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31. Alors, nous avons trouvé. J'ai une version, je crois, c'est TOB. Si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
Le deuxième texte, c'est dans Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Nous allons lire aussi ce texte. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons à suivre 15 choses. Je ne sais pas si nous aurons le temps, mais quand même, on va suivre 15 choses le plus vite possible pour que nous puissions comprendre toutes les dimensions possibles dans la grâce du Seigneur concernant le jeune ambassadeur du Christ qui doit tout faire pour la gloire de notre Seigneur. Je remercie beaucoup le Saint-Esprit pour ce qu'il a placé dans le cœur du prédicateur du deuxième kilt, où il était en train d'insister sur le mot ambassadeur. Et hier, lorsque j'étais en train de préparer ce message la nuit, le Seigneur a placé dans mon cœur ces mots ambassadeur. Parce qu'en fait, le Seigneur veut que nous soyons ses véritables ambassadeurs. Et quand j'étais en train de lire la Bible pour comprendre la dimension de ces mots, j'ai été aussi poussé de faire des recherches pour comprendre quelle est réellement la fonction d'ambassadeur. C'est facile à dire, mais il a de grandes responsabilités lorsqu'on est ambassadeur. Tenez-en. Actuellement, il y a un grand événement qui est organisé ici au Congo. Quel est cet événement? Les Jeux de la Francophonie. Et vous savez, tous les participants qui viennent de différents pays sont avant tout des ambassadeurs de leur pays. Et ils font de tout leur mieux pour représenter leur pays le plus valablement possible. Parce que s'ils réussissent, la gloire, c'est pour quel, c'est pour quoi? C'est pour qui? C'est pour leur pays, c'est pour leur nation. S'ils échouent, la honte est dévolue à leur nation. Alors, ils ont une grande pression sur eux par le fait de pouvoir représenter leur pays. Et vous savez, à un moment donné, il y avait l'équipe nationale du Nigeria. Après avoir perdu le match, l'équipe avait été invitée auprès du président de la République lorsqu'ils sont rentrés au pays. Et ils ont été vertement tabassés parce qu'ils ont fait la honte à leur pays. C'est une histoire qui est arrivée. Nous sommes des ambassadeurs et nous allons encore approfondir pour bien comprendre ce qu'on peut attendre par l'ambassadeur selon la pensée de notre Seigneur. Au-delà de faire toutes les présentations, qui suis-je, c'est Christian, son dire, vous connaissez tout ça. Je ne peux plus donner mon CV. D'ailleurs, mon CV est en ligne, vous pouvez l'avoir sans problème. Et je remercie le Seigneur pour m'avoir sauvé en étant trop jeune. Trop jeune quand le Seigneur m'a sauvé. Déjà, j'ai des histoires avec le Seigneur alors que je n'avais que 5 ans. Des expériences avec le Seigneur. Et le Seigneur, quand je vois tous ses parcours, je peux lui dire, Ebenezer, jusque-là, Seigneur, tu m'as secouru. Et c'est ça l'action des grâces. Alors lorsqu'on me dit de venir dans un culte de la jeunesse, je prends ça au sérieux. Parce que c'est très important. Lorsqu'on est sauvé en étant jeune, on peut faire beaucoup de choses avec le Seigneur. Et le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses, surtout lorsqu'on l'a reçu en étant encore trop jeune. Et l'Église doit se focaliser sur la jeunesse et mettre toute l'énergie possible à l'encadrement de la jeunesse. C'est très important. Mais il y a aussi une autre catégorie pour laquelle nous avons besoin de nous focaliser. Ce sont les femmes. Moi, je rends grâce au Seigneur parce que la personne qui m'a amené au Seigneur, c'est une femme, c'est ma propre mère qui m'a amené au Seigneur. Et je suis très convaincu que lorsque les femmes sont bien encadrées par l'Église, l'Église peut se maintenir debout. Amen, amen. Je voyais dans une église où, à la jeunesse,
Beaucoup de jeunes venaient parce qu'il y avait des belles femmes à l'église. Et beaucoup venaient comme ça pour prier. Il y a quelqu'un qui me disait, après avoir confessé, il disait, lui, il venait à l'église pour deux choses. D'abord, pour la chorale. Et deux, parce qu'il y avait des belles femmes à l'église. Chères belles femmes, est-ce qu'il y a des belles femmes ici à Gomaville? Mais il faut dire oui, il y en a. Alléluia. Toutes les belles, toutes les femmes de Gomaville sont très belles. Alléluia. Et je peux vous rassurer, le Seigneur voudrait attirer, vous voudrez utiliser votre beauté pour sa gloire. Amen. C'est très important. Sois belle, laissez ces frères-là venir. S'ils viennent ici, ils attrapent la parole de Dieu. Et ils se convertissent, ils deviennent chrétiens et ils servent le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur vous a donné cette beauté-là pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. Il a donné ça, c'est comme le talent, il ne faut pas cacher ça. Il a donné ça pour que ça soit utilisé pour sa gloire. Ça, ce n'est pas les messages d'aujourd'hui. On aura le temps de parler de ça. Mais dans les messages d'aujourd'hui, nous aurons cinq choses à pouvoir retenir, dans lesquelles nous aurons trois choses. Cinq fois trois, ça fait 15. La première des choses, ce sont les trois atouts qu'on a lorsqu'on est jeune. Trois atouts qu'on a lorsqu'on est jeune. Deuxième élément, les trois pièges. Les trois pièges qui nous guettent dans notre jeunesse. Trois pièges qui nous guettent dans notre jeunesse. La troisième des choses, c'est trois éléments clés sur l'ambassadeur du Christ. Trois éléments clés à retenir lorsqu'on veut vraiment être ambassadeur du Christ. Quatrième des choses, ce sont les trois bénédictions liées à la recherche de la gloire du Seigneur. Trois bénédictions liées à la recherche de la gloire du Seigneur. Et enfin, trois choses à demander à Dieu après avoir suivi ces messages. Trois choses à demander au Seigneur. Pour commencer, ce message en parlant de ces trois atouts lorsqu'on est jeune. Et ces trois atouts, je voulais donner le principe des trois R ou les trois R. Le troisième R, c'est les rêves. Le deuxième, c'est le risque. Et le troisième, c'est la réserve. Alléluia. Nous sommes encore ensemble. Hein? Il n'y a pas ceux qui sont en train de dormir parmi nous. Et s'il y a ceux qui dorment, réveillez-le. Réveillez-le s'ils veulent dormir. Parce qu'ils risquent de rater des choses extraordinaires cet après-midi. Et tous ceux qui ne sont pas ici, lorsque vous leur parlez des trois R à retenir, ils ne comprendront rien. Parce que vous aurez bénéficié de quelque chose de très important. Le premier atout, c'est les rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes jeunes, nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit d'avoir une vision. Les jeunes conjuguent le verbe au futur. Et c'est ce qui constitue leur force. Ils voient loin. Contrairement à ceux-là qui ont vieilli, ils vous racontent des histoires de ce qui s'est déjà passé. Mais lorsqu'on a la grâce de voir loin, on a aussi la grâce d'aller loin. Alléluia. Et c'est ça l'avantage que nous avons, ça c'est un atout que le Seigneur a placé dans la jeunesse. Je suis en train de voir ce qui étaient des missionnaires qui sont venus nous apporter l'évangile, nous dans la CBK. Quand vous parlez des gens des Horobe, vous êtes Horobe, les Horobe. Croyez-vous que quand Horobe était venu ici au Congo, il avait quel âge? Pourquoi il avait quel âge? Est-ce qu'on peut supposer qu'il avait quel âge qu'elle était venue ici au Congo? Horobe, il avait quel âge? Albert, il avait quel âge? Combien? Il peut y avoir des propositions? On essaye? Combien? 42. Ici, 42. Il avait quel âge ici? 12 ans. Ah, 12 ans. C'est qu'il était avec son père et sa mère. C'était des jeunes hommes qui avaient moins de 25 ans. Ils avaient moins de 25 ans quand ils venaient ici. Fraîchement mariés quand ils étaient venus ici. Ils ont payé le prix le plus fort. Parce que ce homme-là avait perdu sa femme. Et je ne crois pas que sa femme avait 25 ans. Donc ils avaient cette ambition, ils avaient cette chaleur de pouvoir porter de l'évangile. Lorsqu'ils sont venus, ils rêvaient grand avec le Seigneur.
Et la réussite dépend de la dimension de votre rêve. Vous rêvez grand, vous êtes grand. Pas vous serez grand. Alléluia. Vous rêvez grand, vous êtes grand. La jeunesse a cet atout et qui fait la différence. Deuxième atout, c'est le risque. Nous avons la possibilité de prendre les risques. Je me rappelle encore à une certaine période, je pouvais faire même 3 jours sans manger. Quand on disait, il faut jeûner. J'étais pressé de pouvoir jeûner et je m'y consacrais au point que c'était devenu, moi parmi les problèmes que j'ai avec mes parents, c'était je ne mangeais pas. Tellement qu'il y avait des programmes dans la jeunesse, on devait prier pour l'église. Alors on se consacrait, on prenait du temps, on ne mangeait pas et on ne buvait même pas. Et je pouvais faire ça. Mais aujourd'hui, vous me demandez encore de faire 3 jours à sec. Je vais commencer à demander, Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai, c'est ce que tu as voulu que nous puissions réellement faire? 3 jours à sec. Et on pouvait finir des 3 jours à sec, et puis on organise aussi une veillée de prières. Et on continuait comme ça. Et à l'improviste, on pouvait organiser une retraite. C'est qu'au sortir de ces cultes, le président annonce, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous devons aller loin avec le Seigneur. Il y a un besoin au niveau des sacs. Et je demande à tous ceux qui sont prêts de pouvoir... Il y a le bis qui va venir et ils vont partir directement à Sac. Sans avertir quiconque que ce soit, nous allions directement à Sac. On était prêts à faire ça, mais quel risque? La nuit, le jour, on pouvait le faire parce qu'on avait encore ces sangs. Ces sangs. Pas parce que je suis maintenant vieux. Je ne suis pas vieux. Ne vous en faites pas. Mais je suis en train de voir un peu les degrés de risque tellement que ça diminue avec l'âge. Et même pour prendre un voyage, tu vois, j'ai ma fille qui vient et qui me dit, papa, tu veux partir? Papa, tu vas prendre l'avion. Tu ne trouves pas que l'avion, c'est très dangereux? Et c'est là que je me rends compte que oui, l'avion, c'est très dangereux. S'il y a un accident qui arrive, c'est que je peux mourir. Mais auparavant, je ne pouvais pas penser à ça. Personne ne pouvait me parler de ça. Je prenais les risques comme je voulais parce que tout dépendait de moi. Ça dépendait de moi. Et même actuellement, prendre seulement la moto, ça devient un problème à cause des responsabilités. Et d'ailleurs, lorsqu'on est responsable, même pour monter sur l'arbre comme ça, ça pose problème. Il peut y avoir, vous voyez, il y a des mangues mûres ou alors des goyaves. Vous les voyez sur l'arbre. Vous êtes en train de voir. Les jeunes gens sont en train de venir, ils montent, ils coupent. Mais vous, quand vous venez là-bas, vous commencez à méditer. Est-ce que je peux monter ou je ne peux pas monter? En fait, quelle est l'idée autour de ça? Supposons que je monte là-bas et que l'arbre se brise et que je tombe, je me casse la jambe. À mon âge, qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis en train de voir un grand frère à nous, père de plusieurs enfants, très âgé. La cinquantaine, non plus, presque la soixantaine. Je ne sais pas ce qu'il avait pris. Il était monté seulement sur sur un manguier. Parce qu'il avait trouvé des mangues qui étaient mûres. Et l'arbre s'était cassé. Et il est tombé de là. Et maintenant, vous savez, la CBK, quand les gens viennent, quand ils ont la nouvelle, ils viennent demander, ils demandent même des détails. Ça s'appelle Yanzaï. Toi, les Ekwanza. Kisha, Asendio Nikona Mouti. Kisha. Nikona mahembe, kisha nikapanda, kisha, mouti kakati, kisha nikanguka, wepe. Quand les anciens viennent vous visiter, et les pasteurs, ils veulent avoir des... Et maintenant, j'étais en train de les voir, c'était tellement ridicule, je disais, je n'aimerais pas vraiment prendre sa place. Mais les jeunes, et ils prennent des risques, parce qu'ils ont même le droit à l'erreur. Ils ont le droit à l'erreur. Quand ma jeune, on a encore Kumuti avocat, ou Kumuti à Hembe. C'est toute une affaire. Ce n'est pas toute une affaire. C'est là, il faut tout faire qu'on s'histoire et jouer le Kumuti à Hembe. Tu es dans l'exercice normal de la jeunesse. Et d'ailleurs, quand on pendait que le Kumuti à Hembe, ça pose problème aussi pour toi. Tu vois un peu ça? Donc, on peut encore prendre des risques de se déplacer et d'aller au loin. L'autre atout que nous avons, c'est la réserve. Ici, par la réserve, je suis en train de voir, vous avez la réserve de la force. Vous êtes fort.
plus que quiconque. Il y a quelqu'un qui nous disait, il faut faire la différence entre, il parlait de quoi? Entre l'autorité et la force. Donc le pouvoir et la force. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais vous n'avez pas la force. Et je voyais ça à l'école, surtout pour celui qui était en charge de la discipline. Il avait le pouvoir, mais n'avait pas la force. Parce qu'à certaines reprises, dans certaines écoles, ces gens-là, tellement qu'on ne les aimait pas, on arrivait, que, pas vous, mais dans d'autres écoles, il arrivait que ces gens-là soient tabassés. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il a le pouvoir, mais il n'a pas la force. Et même à un certain âge, lorsqu'on grandit, on se rend compte que les enfants deviennent plus forts que nous. Parce que voilà, tout signer. Attends. C'est ma tournée, je vis comme mon goût, mais vous signez, vous êtes pigre à tout. Vous êtes fort, vous avez la réserve, la force que le Seigneur a placée en vous. Vous avez aussi la santé de fer. C'est un atout majeur. Vous pouvez vous tenir debout. Je voyais lorsque nous participions aux campagnes d'évangélisation de Renard Bonquet et nous étions dans les protocoles. Vous pouvez vous tenir debout du début jusqu'à la fin et vous revenez encore demain, début jusqu'à la fin. Sans vous fatiguer. Mais là, quand bien papa, toi, vous êtes dans la ville, papa Ramazan, est-ce que vous êtes à Athènes? Je ne suis pas trop sûr, hein, c'est ce qu'on faisait. Et puis, on y allait toujours à pied. On y allait à pied, on rentrait à pied, on se tenait debout pendant toute la campagne d'évangélisation. On était debout pour faire ce travail-là. La force, on en a, c'est un atout majeur. La santé, nous l'avons. Nous avons de la réserve, nous avons de la provision. Nous avons tous les atouts pour faire grand et pour être grand. C'est très important et c'est pour cette raison que le diable cherche à utiliser la jeunesse. Parce que lorsque le diable utilise la jeunesse, il l'utilise à la perfection. Il capitalise la force et il y a de l'impact dans ce qu'il peut faire avec des gens qui ont toute l'énergie, qui ont toute l'insouciance. Et c'est le moment où il faut alors servir les seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Trois pièges qu'on peut raconter dans la jeunesse. Ici, ce sont les trois T à pouvoir retenir. Nous venons de quitter sur les trois R, nous allons aux trois T. Il y a le temps, il y a le timing et il y a la tendance. Ce sont les trois pièges. Le premier piège, lorsque je parle du temps, par rapport à la jeunesse, les jeunes, nous croyons que nous avons tous les temps. Devant nous. Nous avons tous les temps. Et lorsque tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu vois, tu as 15 ans. Quand tu as 15 ans aujourd'hui, pour rentrer en retraite, la retraite c'est 65 ans, c'est que tu as une carrière de combien d'années devant toi? Calcule un peu. Au moins combien? C'est 50. Oui, 50. Tu as 50 ans devant toi. C'est beaucoup quand même. Et puis, s'il faut penser à la mort, la Bible nous dit que c'est 70 ans, non? Hein, ça, c'est l'âge qu'on a placé là, c'est 70. Calcule maintenant. Pour mourir, donc, il faut attendre combien de temps? Il faut attendre longtemps avant de mourir. 55 ans, c'est beaucoup. Et ça, c'est un piège lorsque nous croyons qu'en étant jeunes, nous avons tout le temps devant nous. Ce n'est pas du tout vrai. Et ce n'est pas du tout évident qu'on a tout le temps devant soi. Dans notre quartier, j'étais surpris lorsqu'on a trouvé une fille, 13 ans, ce n'est pas une jeune, hein? 13 ans, c'est une adolescente, c'est la préadolescence même, 13 ans. À 13 ans, il y a une fillette qui s'était pendue dans notre quartier. À 13 ans, s'il vous plaît. Je dis, comment c'est arrivé à 13 ans? Bien sûr, on dit qu'il était accro parfois aux images téléphoniques qui poussaient au suicide. Ça, nous l'avons appris maintenant après. C'est aller à 13 ans seulement qu'on a appris ça. Si on peut mourir à l'âge de 13 ans, est-ce qu'on a vraiment tout le temps? On n'a pas le temps. Et nous vivons seulement par la grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, s'il y a ceux-là qui partent avec moins que ça, simple accident, ça suffit. Simple accident, la personne est partie comme ça. Et que dire ici à Goma avec les manifestations qui arrivent si souvent? Où on voit des jeunes gens partir comme ça. Le piège du temps. Nous croyons que nous avons tout le temps. Le deuxième piège,
C'est le piège du timing. Le timing, ici, je suis en train d'évoquer l'opportunité. Dans la Genèse, nous ratons beaucoup d'opportunités que le Seigneur a placées devant nous. Vous savez, l'opportunité, c'est ce que nous appelons le kairos. Il y a des choses qui ne peuvent se faire que pendant une certaine période, pendant une certaine fenêtre de temps. Lorsque nous dépassons ce timing, c'est fini. Et ici, le timing, j'aimerais évoquer quelque chose qui est très important. Le timing véritable, c'est le timing où le Seigneur nous visite. C'est le timing pour donner sa vie à Jésus. Ça, c'est la grande opportunité que nous avons. Que des opportunités nous passent dessus comme ça. Où nous devons nous engager au Seigneur. Où nous devons lui donner notre vie. Où le Seigneur est en train de nous parler. Tu sais que là, le Seigneur te parle. C'est toi qu'il est en train de, à qui il est en train de parler. Mais tu fais passer l'opportunité en croyant que j'aurai encore une autre opportunité. J'aurai encore une autre opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, attention au piège du timing. Il y a des choses que le Seigneur voudrait réaliser dans notre vie à un moment donné. Il y a des moments où le salut est tellement proche de nous. Et il suffit seulement que de saisir cela et que notre vie est complètement transformée. Alléluia. Combien d'opportunités nous ratons avec le Seigneur? Combien sont ces opportunités? Il y en a plusieurs. Et c'est le piège aussi de la jeunesse, le piège du timing. Le troisième piège, je dis, c'est le piège de la tendance. La tendance, ici, je suis en train de voir tout ce qui a trait au siècle présent. Nous voulons être chic. Nous voulons nous conformer à ce que nous voyons à nos yeux. Et les choses vont tellement vite. À une certaine période, ici, en ville de Goma, les fiancés ne pouvaient pas se donner des fleurs roses. Ils ne se donnaient pas ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne pouvait pas se donner. D'ailleurs, la fiancée pouvait être surprise. Toi, tu me donnes une fleur. Tu allais me donner l'argent, ça allait être intéressant. Je pouvais résoudre beaucoup de problèmes. Une fleur. Vous savez combien coûte une fleur rose? Ça coûte combien à qui le marché? Une fleur. C'est $1. Une fleur coûte $1. Et lorsqu'on aime, on ne peut pas quand même venir seulement donner une fleur de $1. Il faut quand même que ça puisse faire tendance. Il faut constituer tout un bouquet de fleurs. Pour constituer un bouquet de fleurs normal pour un jeune qui aime vraiment sa fiancée, il faut combien de fleurs? Il faut combien? 25. Vous comprenez? La référence est 25. Donc c'est combien? C'est $25 qu'il faut. Actuellement, on dépense les $25 pour donner ces fleurs. Mais ça ne se faisait pas à une certaine époque. Tu pouvais vendre des fleurs et les gens pouvaient te regarder pour te dire peut-être toi tu as des problèmes en vendant des fleurs. Et vous savez qu'on ne peut pas offrir à la personne qu'on aime des fleurs en plastique. Vous savez ça? Dans la culture des cadeaux, on ne donne pas des fleurs en plastique. Pourquoi on ne les donne pas? Pourquoi on ne donne pas les fleurs en plastique? Frère Jérémy, pourquoi on ne peut pas offrir à une fiancée des fleurs en plastique? Pardon? Ils sont fausses. Il y a une idée du faux. Quoi encore? Qui encore? Qui peut avoir une idée? Fleurs en plastique. Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir à quelqu'un des fleurs en plastique? Il faut offrir seulement les fleurs naturelles. Bon. Frère, mais vous organisez un séminaire, je vais y aller ma fleur dans ma cadeau. Il faut un séminaire pour ça. Je pense qu'on aura à développer ça. Président. Ok. La tendance. Nous voulons être toujours dans notre temps. Avec tout ce que cela est en train d'amener. Le diable est malin. Pour beaucoup de choses qu'il introduit ou nous piège par toute forme de ruse, c'est par rapport aux choses qui sont à la mode. Nous voulons vraiment être à la mode lorsqu'on nous voit. Et les Congolais, qui sont les personnes les mieux habillées au monde. Est-ce que vous savez ça? Les Congolais sont les personnes les mieux habillées au monde. Ce n'est pas faux, je peux vous le dire. Mieux habillées. Circuler seulement. Allez, malheureusement, est-ce que nous sommes en ligne? Nous sommes en ligne. Ça, je ne veux pas dire. Il fallait qu'on puisse couper pour que je puisse dire ça. Alors donc, mais quand même, les Congolais, nous habillons parfaitement. Lorsque vous regardez les Congolais s'habiller, il y a toujours de la tendance quand un Congolais s'habille. Quand un Congolais s'habille, il y a toujours de la concordance quand un Congolais s'habille. Qu'il soit enfant, qu'il soit vieillard, il y a toujours de la concordance. Qu'il soit pasteur, qu'il soit païen, il y a toujours de la
concordance. Vous voyez comment nos pasteurs sont bien habillés. Regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fauté? Personne n'a fauté. Vous êtes en train de voir. Ils savent qu'on utilise toujours une chaussure noire avec une ceinture noire. Est-ce qu'on a moins comme la Chine ou l'Étana? Hakuna. Alléluia. Tous savent ça. Et c'est tellement naturel pour nous. Et même leur habillement, vous allez voir même passer, ils savent, même avec leur veste, c'est blanc, non? C'est blanc. De préférence, il faut une chaussette blanche. Tous ont respecté. Vous voyez ça? Et même maman, quand vous portez vos sacs, vous voyez quand vous portez vos sacs, est-ce que vous avez un sac qui a blé, qui a tonac, qui a chocolat, ainsi de suite? Si c'est bleu, le sac à main, chaussures, c'est aussi même couleur. Maman, est-ce qu'on vous a appris ça? Vous le savez naturellement, non? Non, les Congolais sont tendance. Le Seigneur nous a créés comme ça. Alléluia. Ce n'est pas un péché aussi. Ce n'est pas un péché. Mais de cette tendance-là, le diable est malin. Il introduit maintenant de petites choses là-dedans pour pouvoir nous envahir et nous entraîner dans des choses qui ne reflètent pas sa gloire. Et c'est comme ça que vous allez voir de plus en plus, l'homosexualité est en train de devenir tendance. Est-ce que vous savez ça? Être pédé actuellement, si vous voyez un peu les réseaux sociaux et tout, c'est devenu tendance. Dans beaucoup de séries qui sont en train de sortir aujourd'hui, vous allez voir, il y a toujours un pédé dedans. Petit à petit, on est en train de nous introduire ça. Et même, le théâtre congolais, il y a toujours une femme, un homme qui est efféminé. Il y en a toujours. Bon, d'ailleurs, vous les femmes, vous le savez. Généralement, la personne qui sait bien faire vos cheveux, c'est souvent des hommes qui ont des tendances quand même. Vous-même, vous connaissez. C'est entré dans les mœurs, non? Petit à petit, c'est entré dans les mœurs. Et personne ne s'en plaint. Et tout le monde voudrait être tendance comme ça. Voudrait être tendance. Des hommes de plus en plus efféminés. Et des femmes, que dire? De jouer parfois les rôles des hommes. Et des relations parfois louches. Qui sont vantées par les médias. Et on s'est dit, si tu veux être tendance, il faut être un peu efféminé. C'est ça la tendance aujourd'hui. Mais alors, ça c'est un piège de la tendance, c'est-à-dire le siècle présent. Trois éléments sur les ambassadeurs. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Trois éléments sur les ambassadeurs. C'est très important de comprendre ça pour que nous puissions être capables de refléter réellement la gloire du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Le premier élément, c'est l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Ça, c'est ce qui juge. Il n'y a pas d'ambassade ou il n'y a pas d'ambassadeur sans qu'on ait été envoyé. Généralement, pour ceux qui suivent la télé, vous voyez, lorsque il y a un ambassadeur qui est nommé par un pays, cet ambassadeur, on lui donne une lettre. Comment appelle-t-on cette lettre-là? Lettre de créance. La lettre de créance est généralement écrite en quelle langue? En quelle langue? En français. Le français, c'est la langue de la diplomatie. Sauf lorsque vous avez deux pays qui parlent une même langue. Lorsque deux pays parlent l'anglais, vous envoyez un ambassadeur qui quitte le Nigeria pour aller passer au Kenya. La lettre de créance peut être écrite en anglais. Mais lorsqu'il s'agit de langues différentes, la langue de la diplomatie, c'est le français. Donc, l'ambassadeur des États-Unis, lorsqu'il arrive ici au Congo, lorsqu'il est à Kinshasa, lorsqu'il reçoit la lettre de créance, qui est signée par qui? Qui est signée par le président des États-Unis, cette lettre-là est écrite en français. Et qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre-là? La lettre lui donne le mandat de pouvoir représenter le pays. C'est très important d'évoquer le fait que l'ambassadeur doit être envoyé et de se poser la question, qui m'a envoyé? Quand est-ce que j'ai été envoyé? Comment ai-je été envoyé? Et où ai-je été envoyé? C'est très important, même pour nous comme ambassadeurs de Christ. Il est tentant et il est risqué pour nous chrétiens, lorsque nous nous engageons dans l'œuvre du Seigneur, sans avoir l'idée de quand et de qui nous a envoyé, de
qui nous servons réellement. C'est difficile de pouvoir servir sans connaître la personne qui t'a envoyé. Quel message tu vas donner? Nous sommes appelés à être les témoins du Christ. Le Christ, le modèle. Le Christ qui nous envoie. Nous avons son mandat lorsqu'il nous envoie. Mais malheur, lorsque nous nous retrouvons dans les champs sans avoir été envoyé. Et vous allez voir dans la Bible, lorsque la Bible nous parle des sept fils de Sheba, ils étaient aussi en train de faire l'épaule en disant aux démons, « Démons, sortez au nom de Jésus que Paul prêche !» Et les démons les ont regardés et les ont dit, « Nous, nous connaissons Paul. Nous le connaissons. » Et même les Jésus, là, ils connaissent, ils tremblent. « Mais vous, qui êtes-vous » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez ce qui s'était passé? Hein? Quoi? Ils ont été tabassés. Et la Bible ne cache pas les choses. Ils ont tellement été tabassés qu'ils ont couru en étant comment? Nus. Regardez les ridicules. Nus. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Ils n'ont pas été envoyés. Ne servons pas le Seigneur sans avoir été envoyés. Et nous devons savoir que les jours où nous avons été envoyés, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il nous donne la lettre de créance pour pouvoir parler à son nom. Deuxième élément clé pour les ambassadeurs, c'est la représentation. Ils représentent le pays qui les a envoyés. Bien-aimés dans le Seigneur, si on cherchait là où Jésus habite, on doit les retrouver où? Auprès de toi. Si on voudrait voir un modèle de Jésus pour notre génération, ce serait toi. Supposons que Jésus ait eu un smartphone. Si on voudrait avoir le modèle de l'utilisation du smartphone par Jésus, s'il l'avait, on devait se référer à qui? À toi. Parce que c'est toi le siège. Et retenez au niveau de la représentation ici. Lorsque vous vous retrouvez dans une ambassade des États-Unis, même si l'ambassade se trouve au Congo, vous n'êtes pas au Congo. Vous êtes où? Aux États-Unis. Si par bonheur, vous naissez dans une ambassade des États-Unis, vous êtes né où? Aux États-Unis, vous avez la nationalité américaine. Alors, je ne vous demande pas, quand vous serez enceinte, de vous rendre à l'ambassade. Je ne vous demande pas ça non plus. L'ambassade est protégée. Et l'ambassadeur est protégé. Parce que quand vous le voyez, il représente son pays. Je me rappelle, j'étais à l'ambassade des États-Unis en Ouganda. Il y avait des travaux qui étaient en cours. Même les agents manœuvrent pour venir travailler là-bas. Tous viennent des États-Unis. Mais ils viennent des États-Unis. Parce que l'ambassade est sacrée. Et l'ambassadeur est protégé parce qu'il représente sa nation. Et plus la nation est grande, plus l'ambassadeur est grand aussi. Et c'est ça la notion des ambassades. Ils n'ont pas le même rang. Tout dépend de leur pays. Vous êtes un ambassadeur des États-Unis, vous êtes plus qu'un président de la République. Parce que c'est une grande puissance. Bon, Dieu seul sait pour le Congo comment ça se passe. Il sait. Mais nous, nous vivons sous la grâce. Et nous avons la grâce de Dieu nous suffit. Mais retenez que les ambassadeurs représentent. Nous représentons qui, bien-aimés? Nous représentons le Dieu créateur. Maintenant, si un jeune n'est pas capable de créer quelque chose, la création, c'est la capacité de pouvoir faire face aux défis que nous avons. Si nous ne sommes pas capables de faire face aux défis de notre génération, nous ne représentons pas valablement celui qui nous a envoyés. Alléluia. Et c'est comme ça, parfois, moi, ça me défie. Quand je vois les enfants de Dieu sont par exemple dans la pauvreté, je me dis, Seigneur, fais-nous grâce. Quel est l'évangile que nous allons prêcher? Je me rappelle une fois, nous étions allés prêcher les Chinois. Bon, les jeunes, nous sommes bien, nous les jeunes, hein? Nous avons la possibilité de prendre les risques. Un jour, on avait signé, en tout cas signé Nyumba Yava Chinois. Nous étions allés prêcher l'évangile. Ce que nous avons trouvé là, c'est quoi? Les Chinois, bon, pas tous, hein? Mais quand même ce qu'on avait trouvé, parce que je suis en ligne. Et ils étaient en train de croire que nous venons là-bas pour commander l'argent. Et la chose qu'ils pouvaient faire, ils nous disaient clairement. Ne boye a boye, soki ezali pona mbongo tokopesa bino bozo mbongo bozonga.
C'était ça. Parce qu'il voyait que peut-être nous sommes des nécessiteux. L'Église, nous ne devons pas être des nécessiteux. Et je demande au Seigneur de nous faire grâce. Parce que Mwangali, il y a une génération, il m'a su qu'il y a des jeunes bébés qui ont évolué au Maïcha. Pas les bananes, il va jouer quel bel, pas les bananes. Si il y a des jeunes, tout ça, si. Si Joe Monde est allé, oui. Si tu regardes un peu la liste des millionnaires, des milliardaires américains, je vous dis la vérité, il y en a de moins en moins. La plupart, ce sont des jeunes gens. Parce qu'ils sont dynamiques. Et que le Seigneur nous fasse grâce dans cette fille les niveaux. Pour le représenter valablement, c'est Dieu-là qui est le Dieu riche. Et le Dieu capable de faire de grandes choses. Si vraiment nous lui ressemblons, pourquoi il y a encore des problèmes à l'Église qui ne sont pas résolus? Pourquoi il y a encore des maladies pour lesquelles il n'y a pas de solution? Pourquoi il y a encore des questionnements que nous n'arrivons pas à surmonter alors que nous lui représentons, le Dieu fort, le Dieu haut, le Dieu capable? Pourquoi? Ça doit nous révolter, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que jeunes. Parce que nous devons représenter ce Dieu-là. Un ambassadeur des États-Unis, il représente le président des États-Unis. Et aussi un ambassadeur de Christ, il représente qui? Christ. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sais-tu pas que tu es le représentant de Christ ici? Le représentant de Christ. Valable d'ailleurs. Et tel Christ est, tel tu es. Troisième élément clé sur les ambassadeurs, c'est la capacité d'action. La capacité d'action. L'ambassadeur agit, donc il parle, il réagit, il défend, il négocie au nom et pour les comptes de son État. Il parle, il réagit, il négocie, il défend. Tout cela pour les comptes de son État. Est-ce que nous le faisons vraiment? Est-ce que nous pouvons réagir pour le compte de notre Seigneur lorsque la foi est en train d'être menacée? Est-ce que nous sommes capables de défendre notre foi? Quand on te demande pourquoi tu ne prends pas de l'alcool, tu es capable de défendre cela. Quand on te dit mais pourquoi toi tu ne suis pas la pornographie, est-ce que tu es capable de défendre cela? Quand on te pose la question pourquoi toi tu n'as pas une petite chérie ou un petit chéri, est-ce que tu es capable de défendre cela? Mais si tu lui dis que c'est au nom du Christ que je le fais, tu le représentes valablement. Et nous avons besoin de ces jeunes-là qui savent parler, qui savent agir, qui savent réagir et qui savent défendre la raison de leur foi. Alléluia. Droite à Malise. Trois bénédictions liées à la recherche de la gloire du Seigneur. Trois bénédictions. Il m'a soucié, on a trouvé chez ma bénédiction, puis on a réduit chez l'Évangile. Savez qu'on a dit à Maramoua, mon voyage, Maramoua m'a marié. Bon, bien sûr, à ma ville, on s'est marié. Ça, c'est vrai, c'est prophétique. Et que tu n'es pas obligé de te compliquer pour être marié à ma ville. C'est seulement une question de timing. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, c'est le timing de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le timing. Donc, il faut bien observer. Tu me regardes, mais aussi, tu regardes un peu à côté, peut-être, mais tu me regardes quand même, tu es concentré sur le message. Ça peut être aussi le timing. Mais parfois, on nous enseigne trop souvent des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont plus essentielles sur lesquelles nous devons nous concentrer en termes de bénédictions liées à la gloire du Seigneur. Si nous avions beaucoup de temps, nous allions lire l'Exode chapitre 33. J'aime beaucoup Exode 33, où Moïse est en train d'échanger avec le Seigneur. Et c'est là où Moïse fait une demande extraordinaire à Dieu. Il lui dit, j'aimerais voir, montre-moi ta gloire. Alléluia. Donc, il y a la demande de Salomon où il a demandé la sagesse. Gloire au Seigneur, il avait besoin de la sagesse pour diriger. Mais Moïse, il demande, montre-moi ta gloire. Je pensais que Dieu pouvait lui dire, bon, je te donne 3 milliards de dollars, c'est ça ma gloire. Loin de là. Mais il y a des choses qui transparaissent dans la gloire de Dieu ici. Le premier élément qui transparaît dans la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La présence de Dieu. Amen, amen. J'aime quand je disais ça, la présence de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse pouvait dire, je ne sortirai pas d'ici si tu ne pars pas avec nous. À un moment donné, Dieu voulait partir seulement avec Moïse. Moïse dit, non, c'est ton peuple. Que diront les nations lorsqu'ils verront que tu as commencé une mission que tu n'as pas finie? Mais
J'aimerais que Dieu dit, ok, ça va. Moi je ne verrai plus tellement que vous êtes têtu. Je ne vais plus marcher avec vous. Mais Moïse intercède pour les comptes du peuple de Dieu. Il intercède en disant, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici. Nous ne sortirons pas d'ici si tu ne pars pas avec nous. Parce que quand tu es avec nous, nous sommes une nation différente de tous les peuples du monde. Alléluia. La présence de Dieu. Perds toute autre chose, mais pas la présence de Dieu dans ta vie. C'est la grande bénédiction que nous pouvons avoir lorsque nous sommes à la recherche de la gloire de notre Seigneur. La présence de Dieu. Est-ce que ça nous intéresse encore? Et c'est encore une richesse. Dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est là? Nous sommes dans la jeunesse. Est-ce que le Seigneur est là? C'est bien de bien nous habiller. Le Seigneur nous a donné. Mais si nous habillons très bien, nous utilisons des bons micros, nous avons des bonnes projections. Mais si le Seigneur n'est pas dans ça, à quoi ça sert? Ce qui fait la différence dans tout ce que nous faisons ici, c'est la présence de Dieu ici. Alléluia. Et qu'il règne. Un deuxième élément lié aux bénédictions, c'est les noms. Les noms. Je prononcerai mon nom. Les noms de Dieu. Le nom de Jésus, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, ce nom qui fait trembler les diables, ce nom irrésistible, le nom de Jésus, le nom par le peuple par lequel qui sont appelés à mon nom, le peuple appelé à mon nom, le nom a un grand pouvoir. Et lorsque nous portons ce nom, nous les chrétiens, c'est une grande responsabilité, c'est un grand privilège. C'est aussi un grand pouvoir que nous avons. Une grande bénédiction d'être appelé par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous défendons ces noms comme il le faut? C'est aussi toute une autre question. Mais nous avons ces noms merveilleux qui nous a été accordé. Le troisième élément que nous avons ici, comme grande bénédiction, c'est la grâce. La grâce. Nous avons tout par la grâce. Et lorsque nous sommes sur le boulevard de la grâce, nos efforts fléchissent. Les nous et les moi fléchissent devant la grâce de Dieu. La grâce que le Seigneur nous donne. Cette grâce, c'est ce qui fait la différence. Lorsque tu te retrouves quelque part, vous êtes en train de toquer sur la même porte. Il y a parfois des choses qui jouent. Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre talent, ce ne sont pas vos capacités. Mais la grâce seulement fait ouvrir une porte qui est fermée pour tout le monde. Alléluia. La grâce est une grande richesse que le Seigneur nous a donnée. La grâce est le privilège. La grâce nous porte. Qui sommes-nous sans la grâce? Qui sommes-nous? La grâce nous fabrique. Même si tu n'es pas quelqu'un... Bon. Il y a d'autres qui interprètent les versets là autrement, qui n'a pas de visage pour attirer les regards. Supposons que ce soit le cas de quelqu'un de très loin. Mais la grâce fait que quand les gens te regardent, ils voient que tu es très beau, ils voient que tu es très belle. La grâce seulement te porte. Et moi, je vois un peu les miracles du mariage. Ça, c'est ce que je vois. Les miracles du mariage. C'est par la grâce seulement. C'est pas à dire parce que tu es la plus belle de toutes les femmes que tu vas trouver un bon mari. Encore moins, ce n'est pas à dire que tu sois le plus beau gars de tous pour que tu puisses trouver une belle femme. Et parfois, pour nous qui sommes trop dans les seigneurs, les mots même nous manquent pour vous approcher, chers sœurs. Comprenez seulement, il faut parfois nous aider, nous qui sommes trop dans les seigneurs. Quand nous venons, on n'a pas beaucoup de terminologie là, mais comprenez seulement, nous qui étions trop dans les seigneurs, même pour approcher mon épouse, c'était difficile, bien aimé, ce n'était pas facile. Hein? Pour moi, ce n'était pas facile. On habitait seulement à des distances de mon épouse, mais lui dire que je l'aimais, c'était très compliqué. Prendre ces risques-là. J'ai dû envoyer un email. Moi qui habitais seulement, bien, je vous l'ai dit. Moi qui habitais à moins de 300 mètres de chez mon épouse, il a fallu que l'email va au niveau du satellite, ça passe aux États-Unis, et puis ça arrive encore dans les stations pour arriver dans son téléphone et qu'elle puisse lire et comprendre mon intention. Vois un peu ça. Mais la grâce nous porte. Et quand Dieu a fait grâce, les choses se sont bien passées. Nous avons célébré notre 12 ans de mariage et le Seigneur nous a bénis avec 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Comme mon épouse me disait dès le départ, 2 filles, 2 garçons.
Et le Seigneur a compris deux filles, deux garçons. Ça, c'est la grâce, non? Bon, si c'était quatre filles aussi, ce serait la même chose aussi, ou quatre garçons. Mais nous, on avait demandé deux filles, deux garçons. Le Seigneur nous a donné cela. Tout ça, c'est par la grâce. Et quand nous marchons dans la grâce, nous sommes totalement différents. Allez faire les tests quelque part. Toi, tu crois qu'on va pas si intelligent que tu vas réussir à ces tests-là, des tests d'emploi. Tu es sûr, avec ce qui se passe aujourd'hui, où on annonce et on sait déjà la personne qui sera désignée. Mais lorsque la grâce est là, la grâce perturbe tout ce qui s'est passé. J'avais un frère qui me donnait son témoignage lorsqu'il y avait une opportunité de bourse et d'études. Il était compétent, il était qualifié. Et il avait postulé. Mais le jour où on a affiché la liste, son nom n'était pas là. Oh, c'était le plus qualifié de tous. Son nom n'était pas là. Mais tellement que la grâce de Dieu nous porte, la grâce était sur lui. Lorsque le Bazungu qui était derrière la chose, qui connaissait aussi ses frères, sans pour autant connaître son nom, ils ont posé la question. Il y a tel jeune homme qui est comme ça. Est-ce que son nom fait partie de ces noms qui sont ici? Et on a dit, malheureusement, son nom n'y figure pas. Les Bazungu qui finançaient cette bourse, ils ont dit, nous comprenons que votre liste n'est pas crédible. Allez refaire la liste. Et la liste a été refaite. Et comme par grâce, son nom a été placé en première position et puis les autres suivaient pour que la liste soit valable. Voyez comment la grâce nous porte. Et c'est une grande bénédiction. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Vous priez, Seigneur, de l'argent des transports, le mari. Non, tu n'as pas besoin du mari. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est plus qu'un mari. Alléluia. C'est plus qu'un mari, la grâce de Dieu. Pour terminer, trois choses à demander à Dieu. Pour terminer ce message. Mais lorsque je tentais de préparer ce message, le Seigneur a mis à mon cœur trois personnes pour lesquelles, avec lesquelles nous allons prier aujourd'hui. Les trois personnes, c'est en clôture de ce message. Trois catégories d'ambassadeurs avec qui nous allons prier. Le Seigneur a placé à mon cœur la première catégorie, ce sont les vrais, vrais ambassadeurs. Et quand nous allons prier, les vrais, vrais ambassadeurs se tiendront debout, on va prier avec eux. Le Seigneur a placé à mon cœur que nous devons prier pour eux, pour qu'ils puissent rester debout, de peur qu'ils ne puissent tomber. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie que le Seigneur m'a demandé de vous dire, c'était, il y a aussi des vrais faux ambassadeurs. Des vrais faux ambassadeurs. Vous comprenez un peu ça? Lorsque vous les regardez, donc ce sont des faux vrais. Ce sont des faux vrais ambassadeurs. Des faux vrais ambassadeurs. Faux. Il y a le mélange. Ils le sont par moments. Mais lorsque les circonstances arrivent, ils peuvent facilement changer de position. Ils ne sont pas assidus. Et il m'a montré ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Ils ne sont ni chauds, ni froids. Autant ils sont capables de donner de l'eau qui a du bon goût, autant ils sont aussi capables de donner aussi de l'eau amère. Le Seigneur a besoin aujourd'hui de les toucher. Le Seigneur a besoin aujourd'hui de transformer leur vie. Parce que si tu n'es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. C'est ça le message pour cela. Et la troisième catégorie, et ceux-là, ils vont rester assis, ou elles vont rester assis sur la chaise. Il y a la troisième catégorie avec laquelle nous allons prier, ce sont des vrais faux. Ce sont des vrais faux ambassadeurs. Des vrais faux ambassadeurs. Ils les sont en faux. Ils les reconnaissent. En aucun moment, ils ont pris une décision de recevoir Christ dans leur vie. Ils se reconnaissent déjà. Et leur cœur les témoigne facilement. Que normalement, toi, non, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu viens à l'église, écoute, tu ne l'es pas. Tu n'as jamais pris une décision pour recevoir Christ dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est leur timing. C'est leur timing que le Seigneur nous a donné. Et aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Ce qui passait à mon esprit, c'était c'est le jour de la décision pour ces gens-là. Et ils vont seulement se tenir à genoux. Donc, nous avons les trois personnes selon les demandes que nous allons faire à Dieu maintenant. La première catégorie, ce sont les vrais, vrais. Et la demande, Seigneur, donne-moi de demeurer debout. Ils vont se tenir debout pour cela.
La deuxième catégorie, ce sont les faux vrais. Ils vivent dans l'hypocrisie. Le Seigneur veut les restaurer pour qu'ils soient aussi debout et qu'ils puissent servir le Seigneur comme le Seigneur le veut et que l'hypocrisie soit loin d'eux. Et puis la troisième catégorie, c'est le jour de la décision. Ils vont se tenir à jour. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, nous fermons les yeux. Et toutes ces catégories, chacun va manifester selon ce que le Saint-Esprit va le convaincre maintenant. Moi, c'est le message qui m'a été donné. Et nous allons prier selon ces trois requêtes-là que nous avons. Si c'est la catégorie de ceux qui sont debout, mets-toi debout, bien-aimé dans le Seigneur. De ceux-là qui doivent se mettre juste assis, sois assis aussi. Si c'est la catégorie de ceux-là qui voudraient prendre une décision aujourd'hui, parce que c'est ton jour, c'est ton timing que le Seigneur t'a donné, sois à genoux. Le Seigneur est en train de te voir. Le Seigneur connaît l'intention de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui. Je ne sais pas comment il m'a communiqué ça le soir, la nuit quand je préparais ça. Mais il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu seras en train de prier. Lève ta voix, tu es en train de prier. Demande-lui, Seigneur, permets que je sois debout. Les sollicitations sont nombreuses à cette période. Mais j'ai besoin de toi. J'aimerais être un jeune ambassadeur qui reflète ta gloire. Que je fasse tout pour ta gloire, tout pour te glorifier. Demande cela à Dieu. Il est là, il est maintenant là, il t'écoute. Il a besoin que tu ne puisses pas tomber. Il a besoin que tu sois debout. Et pour toi, le Seigneur ne veut pas que tu puisses avoir une vie partagée. Il ne veut pas que ton amour soit un amour partagé. Il veut que tu puisses l'aimer de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il a besoin de toi. Il veut te transformer, il veut te changer. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. C'est bien-aimé qui est là, Seigneur. Il a besoin de ta grâce. Tu le vois, Seigneur, tu le vois. Tu vois, oh Seigneur, tu vois. Oh Seigneur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu as créé ces jours. Ce n'est pas pour rien. Tu as un plan merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, touche encore. Oui, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme nos caractères, Seigneur. Change-nous, Seigneur, désormais, que nous puissions toujours demeurer debout en toi. Sans ton nom, Jésus-Christ, nous prions et nous disons tous. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire du Seigneur ?